Je vois. Bon, déjà, il y a des caisses, gratos. Ah, les petits crabes de mort. Ah ouais, crabes de mort. Putain, je déteste ces machins. Je déteste ces machins. Ces trucs, putain, c'est pour ça que le fusil à stase était utile. Il y en avait sur les îles. Ça le tue. Ah, il est mort dans le feu. Ah, la honte. Ah, moi aussi, je vais mourir dans le feu. Tête de wham. Et là, mon gars, c'est pas trop de test. Ça fait vraiment bizarre là de devoir faire un truc hors de l'eau. Essaye même pas de me suivre, toi. C'est pour ça le stase. Pile, pile, pile. Ah, j'ai des piles, voilà. Un endroit plutôt hostile. Double esquive. Esquive, quadruple esquive. Et ah ouais. Lâchez-moi. Eh, la tête de moi, je vous nique. Stop les araignées. Comme les com, les viewers. Quoi? Ah. Pas trop beaucoup ça. Par là, je peux pas passer. C'est mort. Je suis obligé de descendre. Je vois. N'empêche que mon entrée quand même veut toujours pas se mettre. Merde. Sans le stase dur. Évaluation des dommages internes, motif des dommages incompatibles avec le dysfonctionnement interne, boîte noire de l'aura introuvable. Oh non. Va falloir que j'aille sous l'eau s'il y a des piranhas et tout, je vais dans la merde. C'est mort, je descends pas. Il doit y avoir un truc trop dégueulasse là-dedans. Ramasser le module d'amélioration de l'efficacité de l'alimentation. C'est quoi ça? Et un module pour quoi ça? Comprends mieux. Vous réparer? Maintenant je comprends mieux tous ces spies. C'est pour le cyclope. Oh, c'est de la bombe. Fissure restante, 9. Il va falloir que j'aille dans l'eau, j'aime pas. Le mec, il a vécu dans l'eau jusqu'à maintenant. Mais il aime pas l'eau. En fait, jamais osé vous l'avouer. Mais j'ai la phobie de l'eau. Je suis sûr qu'il y a des trucs dégueulasses là-dedans. Regardez, il y a des griffures. Oh, il y en a partout. Non, ça va, y a rien.
J'ai peur qu'il y ait un monstre au fond ou quoi. En vrai, y'a rien. Va falloir plonger, y'a. Écoutez ces bruits, c'est quoi? Y'a un trou. Y'a un trou, y'a des trucs qui peuvent arriver. Désolé pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais sachez que moi j'ai peur des trucs même qui sont pas censés faire peur. Hommage à ceux qui se rappellent les lives sur... comment ça s'appelait déjà? Ethan Carter. Genre le jeu où il se passe rien et moi avec mes défaits un film. Oh non, il y a des... Non, ça va, c'est pas méchant ça. Vas-y, je suis même pas sur la soudure. Save, non? Non, je veux pas save ici. Un bonhomme. Hein. Recharge la pile. Peut-être pas penser à respirer de temps en temps. Je surveille le trou, c'est comme comme si une porte ouverte dans le noir, tu sais. J'entends des cris, je suis sûr quelque chose. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui veut me tuer. J'ai même peur de sortir la tête de l'eau, tu sais. Oh putain, je dois retourner le dos. Ça. Bon, il y a clairement quelque chose qui est passé par là. Hein. Je suis désolé, mais hein, je dois retourner le dos au trou. Je suis asséché le Léviathan, c'est pas ça qui va t'arrêter. Ouais, mais j'étais dans mon secteur, tu vois. Là, je suis piégé, là. Le mec il joue RP. Il retient sa respiration dès qu'il va sous l'eau. Ah ben là, elle est neuve là. Les moteurs sont neufs. Y'a aucun souci. Après j'ai fini là. Ah, la fourbe. Ah, deuxième fourbe. Il est agressif le petit piranha. Non mais c'était pas un petit piranha ça. C'était une capote. La dernière. Mais là, la salle de moteur attire, bien sûr. J'attends 3 jours. Compris, madame. Je peux répéter, s'il vous plaît. Aïe! Pas compris. Maintenant? Plus de radiation en 3 jours et 10 heures. Ah ouais! Super intéressant, hein, vu que... Enfin, tu sors par le trou dans l'eau. Non. Non. Non, non, non. J'ai pas à avoir assez d'oxygène. Non, 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 non. Et je peux pas revenir par où je suis arrivé? Non, les gars, je vais pas aller là-dedans. Non, 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 on va pas faire ça. Oui, 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 oui. Prends ton courage à deux mains. Non. Easy money. Trop facile. Non, non. Je l'ai fait moi-même. Oh non, non, non. Elle m'a vu. Elle m'a même pas vu.
passe en fourbe. Passe en fourbe. Pénètre, pénètre dans le trou. Prends pas le trou, et voilà. Voilà, voilà. Faut que je prenne le trou pour qu'il y ait un mec qui dise prends pas le trou. Il y a un Léviathan, il va venir me manger, j'en suis sûr. Je veux ramener l'amélioration. Comment quoi, diable, j'ai retenu la respiration. Eh, je suis où là? Eh, j'ai glitché le jeu. Oh, j'aime pas nager comme ça, je vois pas ce qu'il y a en dessous de mes pieds. Non, je crains nager comme ça quand je vois pas ce qu'il y a en dessous de mes pieds. Eh, hey, y'a quoi là? Oh, c'est de la merde. Bon, je vais être content quand je vais dans le Simos là. Oh là, ça va, je suis safe normalement. Ouais, je suis safe. On l'a fait les gens! Easy! Yep, j'ai déjà fait une amélioration pour mon. Machin. Elle est de plus en plus près. Quoi? Ariel approche. Oh non, mais de toute façon, je vous dis, j'ai pas vraiment peur d'elle. J'avais peur qu'il y ait un autre truc que j'ai pas vu. Ariel. Au couteau normal, je l'ai maîtrisé. Donc avec un couteau. Oh, j'ai cru que ça allait bugger. Save! Donc avec un couteau amélioré comme j'ai maintenant. Easy. Alors! Module d'amélioration de l'efficacité de l'alimentation recycle la chaleur dérivée pour augmenter l'efficacité du moteur de 15%. Efficacité énergétique actuellement 400%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça consomme moins. Et j'ai toujours pas de pile. Module d'amélioration de l'efficacité de l'amélioration. On recycle la chaleur dérivée pour augmenter l'efficacité du moteur de 15%. Ça veut dire que je consomme 15 fois moins. 15% de moins. C'est tout. Mais vu que j'ai plus de pile dans mon truc depuis longtemps en fait, regardez. Il faudrait que je fasse 6 piles. Quoi? On se tire là? Easy money. Eh, on a réussi les gens! En même temps, il n'y avait pas vraiment de danger au final. Le triple du Léviathan. Voire plus. Eh ben. C'est une très bonne nouvelle ça. Mais c'est pas la taille qui fait peur, hein. C'est la surprise. Ouais, le Simos se recharge quand il est dans le Cyclope. Ce qui fait que vu que j'ai des panneaux solaires, le Simos se recharge gratuitement. Sans utilisation de piles, sans rien du tout. Puisqu'il consomme mon énergie qu'on voit en haut. Mais je la recrée. Comment on place le module de compensation dans le cyclope? Là où je viens de placer l'autre module. Ben, ça n'en créerait qu'une. Tu ne peux pas récupérer une batterie pleine. Ben bon courage Max, merci d'être passé en tout cas, d'être resté. T'imagines Lipovic? Hey! Surprise! Un micro pénis. Ça peut marcher. Que rient les gens? Parce qu'on live, on live, on live, mais... Ça fait plus de 4 heures de live. Ouf, ouais. On va pas tarder les gens. Je pense qu'on a. On va crafter le recycleur, voir comment il fonctionne. Il paraît excellent, d'après vos dires. Ouais, j'ai des bugs à travers, je vois ma base, je pense. Non mais clairement les gens, Ariel, elle me fuit. Elle me fuit comme la peste.
Tiens, t'es le premier mondial sur Subnautica. Je sais pas comment je dois le prendre. Et voilà, je le prends comme ça. Pas très bien. Il est 20h. Bonsoir, Bapk. Pourquoi tu nous demandes de regarder? Je vous ai pas demandé de regarder. J'ai dit il est clair, j'ai pas regardé. Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Ah, la belle base. Oui, oui, oui. On va se mettre pas trop loin. On a des ressources à transvaser un petit peu. Tu dois avoir une maladie contagieuse, quoi. Si, je vous ai demandé. Ah, fais pas toujours écouter ce que j'ai dit aussi. La base. N'oubliez pas de lag quand je rentre dans la base. Le chat d'après le salut. Nyanga, appelle de moi. Nyanga, ça me dit quelque chose, ouais. Si tu dis ça, c'est que ça fait longtemps que t'es pas passé, du coup je marche lentement, non? Parce que j'ai soif peut-être. Voilà. Et quand j'ai soif, je marche plus lentement. Pas de délire. Ah, elle te fuit comme la peste. Non, mais c'est parce que je l'ai défoncé. Je l'ai victimisé. J'ai presque 5 mois. Et t'étais où pendant 5 mois? Sur d'autres streams, c'est bien. Voilà, on les élève et après, on la connaît, on remercie. Hop, hop. Vital signs stabilizing. Baba ta craft, j'avoue, toi aussi. Hein. Non, mais c'est bien, les gars. Y'a pas de soucis. Hein. Je note. On va crafter le nouveau truc, hein. Logiquement, on peut pour pas grand chose. Deux titanes. Est-ce que j'ai ça quelque part? Je sais plus. Parce que tout à l'heure, je crois que j'ai tout utilisé en fait. Bon, ça va. Alors, comment ça marche? Ça se craft où? C'est par l'eau et le sel. Tout simplement. Ouais. Mais pourquoi je suis mute à chaque fois? Vu. Fais une nouvelle salle, vraiment? Non, je veux faire une nouvelle salle, non. Je sais pas comment faire. À l'époque où tu live H24 avec Snake? Non, on n'a jamais fait ça. Hein. Je vais pas faire une autre salle. Je supprime la vitre à côté de l'entrée. Ouais, ça serait mieux. Je peux supprimer la vitre? Oui, je peux.
ça sert à rien plus. Très bonne idée, merci. C'est mieux, je préfère. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mais regardez ça! Ah mais genre ça va pas être ouf. Ça va me générer 4 bouteilles. Eh mais je peux les récupérer et les stocker. Ah ouais. À l'époque il y avait des minutes DBZ à chaque fin de live. Non mais ça va, on a fait des bons lives là ces derniers jours. Hein. Un distributeur de pastis, exactement. Tu mets l'eau d'un côté, le jaune de l'autre, et le glaçon tombe au milieu. Ça va me générer 8 bouteilles de stock. Il faut que je pense à les sortir et à les stocker, etc. etc. Encore où tu liveais sur un jeu où tu construisais des armes et des piques et des lance-flammes partout. Mais c'est ce qu'on va refaire d'ailleurs. Le jeu a évolué. On a deux jeux à refaire. C'est Bissiège et... Je trouve plus le nom. Le jeu où on construit des ponts là. Ça a vachement évolué aussi. Il n'y avait pas beaucoup de niveaux à l'époque où on l'a fait. Et maintenant c'est le cas. C'est génial n'empêche. Ça va me générer des bouteilles d'eau quoi. Direct. Ça te donne deux sels et deux bouteilles. Ah ouais? Et un hopper en dessous avec un coffre. Non. Ah mais ça va me donner du sel et de l'eau. Et oui, forcément, parce que ça enlève le sel. C'est cool, n'empêche. Et ça produit du sel plus rapidement que ce que ça produit de l'eau. Mais c'est cool parce que c'est très dur d'avoir du sel. Enfin, c'est pas très dur, mais c'est relou. Du coup, là, il faut que je fasse un coffre. Et il faut toujours que je fasse des coffres, de toute façon. Il faudrait que je fasse des coffres et que je stocke tout ça. Mais on a d'autres trucs à faire, hein. On a toujours plein de trucs à faire en fait dans ce jeu, c'est ça qui est bien. J'ai deux piles là. De quoi faire? Ouais non, vaut mieux les garder les piles. Vaut mieux les garder. Ce qu'on a à faire c'est... attendez, c'est ici. Personnel, équipement. Ça je sais pas à quoi ça sert. Pompe l'air de la surface, je sais pas à quoi ça sert. Un tuyau, c'est un tuba quoi. Par contre ça consomme un max d'énergie. Easy. La journée ça ira. La nuit ça va être le bordel. Il va falloir faire d'autres panneaux solaires. Ah. Mais j'ai pas de... Est-ce que j'ai du quartz? Pourquoi j'ai ouvert ça moi? Est-ce que j'ai du quartz stocké quelque part? Genre là en fait. Ouais 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 Nyanga. Welcome aboard, Captain. Oh masse quartz. Oui. Qu'est-ce que j'ai pris là? Je vais laisser les piles ici. Oh mais j'ai un bloc de quartz ici, je suis un malade. On va faire plein de panneaux solaires. Ça va pas se passer là. Ah c'est relou ça. Regarde quoi de news depuis tout à l'heure. Bon on a fini le jeu. Clairement, sans prétention, on a fini le jeu. Ajoute sur le cyclope aussi. Ouais sur le cyclope c'est pas... Ça presse pas trop sur le cyclope hein. Mais oui, il faudrait aussi. Mon du titane. En effet, t'as raison. Il faudrait aussi sur le cyclope. Parce qu'en plus, maintenant, il consomme moins. Du coup, c'est encore mieux, en fait. Attendez.
Stop, stop. Voilà. Ça sert à rien sur le cyclope? Ben si, parce que j'utilise pas de pile, moi. Tu l'as trouvé le fragment de la centrale thermique? Ouais. Mais alors, il faudrait que j'utilise un volcan, et je sais pas comment je gère l'énergie, je sais pas du tout. Faudrait que je stocke masse... masse titane, là. Pour faire une base ailleurs. Dans une zone où il y a du thermique, peut-être, je sais pas. Ou loin de tout, quoi. Bon, ça va, Batata, pas trop. Pourquoi tu mets... Pourquoi tu mets pas sur la base les panneaux solaires, c'est pas mieux? Non, c'est pareil. Pareil, clairement, sur le toit, tu vois, tu peux pas en mettre beaucoup. Sur le toit, là, ça va être chaud d'en mettre un autre. On peut essayer, mais... On pourrait en mettre 3, peut-être, mais pas 4, quoi. Je vais essayer d'en mettre un là. Là. Le cyclope charge pas plus que 150 et il n'a pas assez de batterie. Pourquoi le cyclope charge pas à plus de 150? Car il n'a pas assez de batterie. C'est bizarre, ça commence par une question et ça finit par une affirmation, ta phrase de Nofna. J'ai expliqué que les panneaux solaires ne peuvent recharger... En fait, les panneaux solaires dans ce jeu sont considérés comme aussi une quantité d'énergie. À chaque fois que tu en places un, ça fait 25 d'énergie. Donc ça fait 100... 150. Voilà pourquoi j'ai que 150. Au max rechargé, ça a 150. Ça ne peut pas recharger les piles. Voilà. Ah non, on va avoir 350. Je pense que ça va aller. Même si ça consomme beaucoup, ça se déchargera pas en une nuit. Tu mets la centrale thermique près d'un volcan, la relie à ta base avec des antennes. Voilà. C'est ce qu'on tentera de faire, je pense, si on fait une base loin de la surface. J'aimerais faire une base dans une zone, mais où ce serait utile en fait. Je sais pas. Il faut une zone avec un volcan. Il y a un volcan pas loin là. Il y a un volcan pas très loin. Je sais plus où il est. Vers là-bas, je crois. Mais ce sera utile, mais dans quelle zone, je sais pas. Mettre d'autres panneaux solaires. Ah, c'est bizarre là. Oh, regardez ça. Je l'ai intégré dans le truc. Il marche ou pas? On va voir si on est passé à 175. Non, j'étais pas à 350, non. Non. Ouais, je suis en expérimental. Non, j'étais pas à 350, regardez. Maintenant, je suis à... Ah, mais il fait une lumière. On va pouvoir savoir. Il fait nuit, on l'a dans le cul. Je sais pas. La batterie est à zéro, tu peux plus la recharger. Voilà, les piles. On parle des piles, là. Mais là, je suis pas sûr que... Ça peut monter au-dessus de 150 sur le... Ouais, c'est monté à 775. Alors que c'était à 750 max. Donc dès qu'il va faire jour, ça va se recharger. Non, non, la base était à 250, je crois. Ou même moins. À 200 ou comme ça. Non, non, j'en ai rajouté à bloc, hein. ça marche sur la base, y'a pas de soucis. Hein. La solution pour mon problème sur Fishing Planet, payer. Ah désolé les gens, je mange des Pringles. Je les crois un peu. Mais ça, on va arrêter là les gens. On a grave évolué aujourd'hui. Non, il le save déjà, sinon il aurait pas mis 25 d'énergie sur le cyclope et 50 sur la base.
je pense que ça va aller. Hein. Ah, c'est un peu posé à l'arrache, mais c'est dur. Hein. On va voir comment ça consomme. Mais là, on est bien. Hein. On a trouvé une île, on a exploré deux trucs. On a fait un générateur d'eau potable qu'on pourrait utiliser à plusieurs endroits. Je pense qu'on peut peut-être prendre ça consomme. On est à 195 sur 350. Vous croyez que ça peut tenir une nuit? Uptime. Shop. Quoi? Yo, Bourbru. T'es nouveau? Tu viens de chez 20h05 ou? Salut, salut, bienvenue. Mais t'arrives un peu tard. Hein. Je pense qu'on va arrêter là. Parce que si on fait le bilan, franchement, on a découvert, comme je l'ai dit, l'île numéro 2. On a découvert tous les plans qu'on voulait. Là, par exemple, j'ai soif. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Du sel. Génial. Et l'eau est à 67%. Oh, regardez, il y a du sel. Est-ce que j'ai des coraux? Ouais, donc en vrai, ça va. Parce que le sel te fournit de la javel, tu te fais à boire. Moteur bio qui te permet de monter à environ 750 d'énergie. T'as juste besoin de deux composants. Ah mais alors je l'ai pas. Et en plus je suis à plus de 750 là. Ah tu parles de quoi de... Tu parles pour le cyclope? Emergency. Severe dehydration. Non, non, arrête, Artiflette. Non, non, réellement. Réellement, je veux dire, je vois pas ce qu'on peut faire, là. On a tout fait. Enfin, pour l'instant, quoi, je veux dire. Après, vite fait, c'est de voir comment je peux personnaliser mon Simos, là. Même ça a bouffé de l'énergie, ça, encore. Faut que le jour se lève, là, sinon, ah, merde. Hein. Comment ça marche, la personnalisation du Simos? Hein. Ah ouais, c'est galère. Base, name... Base. Je sais pas moi. En vert? Non. En rouge. Elle est où le rouge? Oh, trip 1 et trip 2 là, je comprends pas. Il est rouge là? Hein? Il y a du rouge, mais il est pas rouge. Ah, c'est ça. Avec un truc bien rouge. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Attendez, je vais vers tout rouge et voir. Ah, là pour le coup il est vraiment rouge. Les plans pour le moteur ils sont côté gauche du vaisseau. Côté gauche du vaisseau. C'est là où on était. Ok, bah il faudra trouver la centrale biologique alors. Change-le de côté ton truc pour le modifier. Ah, pour le voir de devant? Ah, c'est pas très grave. Par contre, c'est quoi le trip 2? Ah, c'est les petits traits. Bah, c'est cool. Ça me va, moi. Mon rouge avec les traits blancs. Très bien. Intérieur. Non, blanc, c'est bien aussi. Intérieur blanc. Comment on l'appelait? Le Seymour. Le Seymour. Comme ça, le same off.
et le name en blanc. Ça donne quoi là? Hey! C'est la same mouth. Nickel! Voilà, il est swag. On peut faire pareil avec le Nautilus. Mais bon, mets l'intérieur en rose. Non, c'est pas ouf ça pour le coup. Tu renommes ton cyclope le Babybel? Quoi? Est-ce qu'il me dit pas celui qui me disait sur la droite? Bienvenue Mafia, merci pour le follow. Que veut dire exactement à droite? Orpi, deux titanes, puis ça coûte rien à faire. Et il y a le BG de la mer. Non mais c'est pas très très important. C'est bien qu'on puisse le faire, hein. C'est super cool qu'on puisse le faire, mais c'est pas très très important quoi. Bon là clairement il faudra refarmer et tout, donc c'est ce qu'on fera la prochaine fois. On va arrêter ce Nautica et j'ai pas d'idée, pas d'envie particulière de faire quelque chose d'autre. Donc il y a de chance pour qu'on arrête ici. Je recheck vite fait. On l'a fait. Ah, c'est le fusil à stase qu'il nous faudra. Donc. Il vient de me faire une petite bouteille d'eau. Hey! Plus 50! Big filtered water. C'est classe de ouf! Et c'est reparti. Eh, hey, c'est mieux qu'une bouteille, regardez ça! Ça donne vraiment tout ce qu'il faut quoi. On va la boire? Non, on va pas la boire. On va la stocker. On va avoir un bloc de sel, on va pouvoir faire du magnésium, on va pouvoir faire des bons trucs là. Il faudra qu'on parte farmer un petit peu de cuivre. De l'argent, du cuivre, des matériaux de base quoi, histoire de pouvoir faire tout ce qu'il faut ailleurs. Bonne nuit Arnaud, merci d'être d'avoir été là toute la soirée. Il doit vraiment être bien ce jeu pour que tu streames dessus toute la soirée. Ben on l'a pas vu passer, franchement on a joué 4h30 là et Welcome aboard, Captain. Passé tranquille. Donc il faudra faire d'autres armoires, il faudra faire le fusil à stase. Il y a tellement de choses à faire. Et ça fait déjà pourtant une bonne dizaine d'heures de jeu qu'on joue dessus. Ouais.